Salut les amis, c'est avec la petite sirène que nous allons ouvrir cette nouvelle chronique en images. Non, pas celle de Disney, faut pas déconner, mais celle de Copenhague. Nous allons parler du dernier album de Vola. La recette musicale du groupe s'appelle la trempe. Je ne parle pas d'une grosse baffe dans la figure, encore que, mais bien d'un métal chauffé à blanc et plongé dans une pop électro glacée. La musique ainsi traitée gagne en dureté à la surface ainsi qu'en résilience. Avec leur troisième album studio, Witness, le groupe danois ajoute à cette métallurgie une dose de slam dans This Black Clothes, un traitement thermique inattendu et du plus bel effet. Disons-le tout de go, je ne retrouve pas dans Witness les saisissants contrastes de Applause from a Distant Crowds. S'il y a effectivement du gros son, il sert souvent à mieux asseoir une pop stellaire. L'album me paraît plus lisse que son prédécesseur, mais ce n'est peut-être qu'une impression, car en musique, j'aime être surpris. Et ici, sorti de la contribution des deux rappeurs hollandais Shaman sur un titre, le reste ressemble à du réchauffé. Ceci dit, certains plats sont meilleurs au second service et Witness à de beaux restes. La pochette monochrome signée Grégoire Hubert évoquera, en fonction de votre imaginaire, un trou noir, la fleur d'un tournesol ou un œil vu avec un très fort grossissement. Cet étui de carton contient les paroles sur une feuille volante noire, avec au dos la photo des membres du groupe et les crédits, ainsi que le vinyle beige translucide aux magnifiques marbrures. Le titre le plus abouti de l'album s'intitule Head Mountain Sideways, un cinématique solaire secoué de coups de boutoir long de 5 minutes 34 secondes. This Black Clothes constitue l'autre pépite de Witness, le titre le plus inventif de l'album. Enfin, Stone's Leader Following Down renoue avec bonheur avec cette musique très contrastée qui m'a séduite chez Vola la première fois. Sorti de ces trois morceaux, j'entends plus Witness que je ne l'écoute. Je ne rentre pas dans sa musique et ses émotions ne me submergent pas. Witness n'en reste pas moins un bel album sorti des forges de Vulcain. Cependant, Applause from a Distant Crowds se hisse deux marches au-dessus sur le podium du métal progressif. Après, bien sûr, tout est une question de goût. J'espère que cette chronique vous a plu, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec ma vision des choses. Dans 7 jours, je sortirai de ma zone de confort une fois de plus pour vous présenter King Buffalo. D'ici là, portez-vous bien. Salut !